Les abus émotionnels du pervers narcissique. Bonjour, bienvenue à tous les amis. Je suis Priscilla, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, c'est les abus émotionnels du pervers narcissique, comment ils fonctionnent. Mais aujourd'hui, on a tendance à traiter beaucoup de personnes de pervers narcissiques, mais je tiens à préciser que c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de comment ils fonctionnent, de ces abus émotionnels et psychologiques qu'ils utilisent pour vous faire perdre confiance en vous, pour resserrer cette emprise autour de vous et vous faire douter et perdre confiance en vous. Vous voulez le savoir comment il fonctionne? Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu, un petit message et surtout, le plus important, c'est de partager à un maximum de personnes dans le besoin cette vidéo. Parce que le pervers narcissique a pour but de détruire sa victime à coup de manipulation, de vraiment créer un abus psychologique, quotidien et émotionnel sur la personne. Ça peut aussi être physique, parce que le pervers narcissique peut aussi devenir violent quand il rentre dans sa rage narcissique. Mais aujourd'hui, le pervers narcissique utilise une chose, l'abus émotionnel et la violence psychologique telle que il va vous attaquer sur tout ce que vous entreprendrez. Un exemple, tu ne sais pas faire à manger, t'es bonne à rien, ma mère savait faire mieux. Oh purée, laisse-moi faire. T'as deux mains gauches, t'es vraiment bonne à rien. C'est inutile que tu entreprends quelque chose, tu n'y arriveras pas, t'es trop stupide. Toutes ces choses ont un impact destructeur sur vous, sur votre personne. Ça vous fait souffrir, ça vous fait perdre confiance en vous. Et aujourd'hui, on est là à se demander si on est bonne à quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une autre méthode. Vous touchez personnellement. Vous touchez de manière vraiment personnelle. Sur votre apparence, faudrait peut-être que tu arrêtes de manger, tu grossis. Cette robe ne te va pas du tout, ça te grossit, ça te rend moche. Franchement, t'es hideuse. Toutes ces choses, toute cette façon de fonctionner, toutes ces paroles, qu'est-ce que ça a pour but? Vous faire perdre confiance en vous, vous faire perdre votre estime personnelle. Et aujourd'hui, vous êtes là à vous demander pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous essayez désespérément de vous sentir en fait bien à ses yeux, en donnant un maximum, en vous investissant, en changeant, en essayant de faire un maximum d'efforts. Mais tout ça sera en vain. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui a la capacité d'aimer. Il est incapable d'aimer. Tout ce qu'il veut, c'est satisfaire son besoin et ses désirs. Mais tout ce qui l'importe et qui importe pour lui, en fait, c'est de détruire tout ce qu'il y a de bon en vous, votre confiance en vous, votre estime personnelle, votre amour de soi. Mais aujourd'hui, le pervers narcissique laisse vraiment des victimes. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous posez la question que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Aujourd'hui, vous n'avez rien fait de mal. La seule chose que vous avez fait, c'est de tomber sur une personne hautement toxique qui vous détruit psychologiquement et émotionnellement à coup de manipulation, de chaud et de froid. Un coup, c'est le parfait amant. Et la seconde après, il va vous rabaisser, vous humilier en vous disant que vous êtes bonne à rien, que vous êtes moche, que vous êtes horrible, que vous servez à rien et que sans lui, vous n'êtes rien. Mais aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne à laquelle il faut une seule chose, fuir. Il est temps de couper le contact, de quitter cette personne. C'est dur à dire, c'est difficile à faire. Mais aujourd'hui, le pervers narcissique vous détruit. Vous voulez sortir de ce stress, de cette confusion, de cette perte de confiance en vous, alors il est temps de prendre votre vie en main et de prendre conscience que vous serez beaucoup mieux sans cette personne. Le pervers narcissique est une personne néfaste pour vous. Il est temps de prendre conscience et de le quitter, de sortir de cette relation qui n'a que pour conséquence de vous détruire psychologiquement et émotionnellement. Et comme je l'ai dit, le pervers narcissique peut être aussi violent. Il peut vous battre, vous frapper, vous humilier psychologiquement, physiquement. Mais aujourd'hui, je comprends à quel point vous souffrez. Je comprends à quel point vous avez peur et vous demandez si c'est pas vous la personne toxique. Vous vous demandez si vous n'êtes pas un PN ou non. Non, vous ne l'êtes pas. Mais aujourd'hui, ça sera une autre vidéo. Et aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté un réconfort, des réponses et un soutien. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Mais sachez une chose, que peu importe le temps que ça prendra, vous réussirez à vous relever et je serai là si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message et je vous partagerai un lien pour me contacter et me permettre de vous aider à sortir de cette relation hautement toxique, pardon, et surtout, bien entendu, de reprendre conscience
de la valeur que vous avez, d'avoir confiance en vous et de réapprendre à vous aimer et de reprendre votre vie en main et d'avoir à nouveau confiance en vous. Aujourd'hui, on est tous ensemble. Si je suis là, c'est pour vous aider. Et n'oubliez pas de partager, comme j'ai dit, cette vidéo. À la prochaine et merci d'être là. Pour ceux qui sont déjà abonnés et aux nouveaux abonnés, merci et à la prochaine.